Ouf, pas d'avis. Je me suis endormi. Tu le crois, toi? Aïe, aïe, aïe. Salut, Cupelé. Comment va la forme? J'ai peu mal aux jambes aujourd'hui. Ouh, ce matin-là, grosse sortie, ça traite de bon. J'avais les jambes mort du purin dans les guibolles. Donc aujourd'hui, je vais enlever ça. C'est mieux. Petit transat, là. On va l'enlever. On reviendra tout à l'heure. Et les gars, hein, on l'est ou on l'est pas, hein. Je vais mettre à l'ombre, hein. Yeah, c'est le Graal, je vais mettre ça à l'ombre. Bon, les potos, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout, de rien, tranquillement. On va parler comme, c'est comme si on était copains, quoi. Tu vois, un petit peu. Et peut-être, si j'ai envie, je vais vous parler ce coup-ci des roues de chez Basalt Twills. De ces fameuses roues, il y en a plein qui me demandent. Je sais qu'il y en a plein qui me demandent aussi. Quand est-ce la vidéo du cadre va t'arriver? Dans le mois, c'est sûr. Donc, en même temps, j'en profitais pour nettoyer le vélo. Comme ça, on va parler un petit peu de tout. Alors, comme tu vois, pour nettoyer le vélo, moi, je ne m'emmerde pas. Je prends des lingettes. Hand pass. Tu vois, là, ça. Alors, je sais qu'il y a les gros écolos casse-couilles qui vont dire, ouais, tu prends des lingettes, c'est pas très écolo. Va dire ça aux gitans, qu'est-ce qu'il y a de tout dans les décharges, les pneus et tout. Et on en reparle, c'est-à-dire couille à leur dire. Voilà, on s'est compris. Bon, alors moi je prends ma petite lingette. Oh my god, j'ai perdu ma lingette au fond. Et je passe un coup. Et j'ai oublié de prendre un manaya. Attends, il y a un petit chiffon. Une microfibre en fait. Que je vais chercher de suite. J'ai oublié quel cadavre que je suis. Hop là! Non, je suis pas allé poser une pêche. Non. J'avais pas le Boeing en bout de piste. Ou même vulgairement, c'est une boutade. Hein, quand on dit j'ai le noir qui tape au guichet, c'est un petit peu la même chose. Mais là, ça n'a rien à voir avec. C'est de l'humour. Hein. Ok, c'est de l'humour noir, mais c'est de l'humour. Eh les gars, comment c'est pas un peu. Eh les amis. Bon, ça a été un peu. Vous avez un peu roulé ce matin. C'est passé nous beaucoup de vent hein, ce matin. Avec petite sortie club. Je crois que j'ai fait 127 bornes, je crois. Ouf, voilà, ça a été dur. Ça a été dur d'avoir roulé avec les petits genoux. Mercredi. Ça m'envoyait. Hein. Ouf. Pour ceux qui suivent sur Strava, ouais, 32 moyenne. Hein. À mon âge, hein, les gars, 38 ans. Hein. Donc 32 moyenne, hein. Et mon cul les salauds. Et il y avait une fille avec nous aussi. Et la fille, ils sont en DN et tout, non, franchement, bien, ils marchaient bien les petits jeunes. Hein. Ah, c'est plus pour mon âge ces conneries là. Que je suis moi aussi, je m'affuste avec eux et tout. Et après tu m'étonnes que j'ai mal au guibol. Aïe aïe aïe. Voilà, tu vois le vélo, il est tout propre, les bonnes petites lingettes. Et tu vois le vélo, il est brillant, propre. Après, je le jette dans une poubelle, bien entendu. Je n'escape pas comme ça. Là, mais ça, c'est pour encore pour les. Et la petite microfibre qui est livrée avec. Rien à voir avec la pub pour une passe. Hein. Non. T'en as plein d'autres. Hein. Après, bon, moi je fais ça comme ça. Après, il y en a d'autres qui font avec de l'eau savonneuse et du chiffon. Voilà, c'est et du chiffon. Et le chiffon, voilà, c'est pas non plus. Hein. Et je ferai les roues avec, vite fait. Tu vois que le vélo, le bike, il ressort bien lustré, tout brillant, comme quand tu te retires de maman. C'est tout brillant, tout brillant. C'est magnifique. Hein. Hop, 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 hop. Allez, ça c'est bon. Tac. Je reprends le même. Il est encore, il est pas sale. Et je fais, tu vois, les roues. Ah, j'en avais besoin, les roues. C'est qu'elle est tout ce vent là. Tac. De côté. Tac. Un petit peu le moyeu. Bon, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette,
de cette affaire de la frouminette, de froum là. Il va partir des chignos ou pas? Je peux pas vous dire, hein, j'ai aucune info là-dessus. Moi, je vous dis qu'il restera. Parce que la frouminette, il est trop cher. Elle coûte une blinde, le mec. Attends. Il n'y a que des grosses équipes, si la Movistar ou la Bahreïn, peut-être, pourquoi pas. Ou alors, bah, il fait, comme on dit chez nous, hein, il fait la pute et il baisse son salaire. Voilà, tout simplement. Là, la rigueur. Mais ça m'étonne. Mais bon, si ça me va, moi je pense que la mort de Nicolas Portal est aussi pour quelque chose. Vous pensez que quand même, Ineos ont perdu une grosse pièce maîtresse hein, avec la mort de Portal. Donc Portal, c'était un métronome, un metteur au point hors pair, le type. Hein. Donc là, j'avoue que Ineos, ils ont perdu cher, quoi. Ils ont perdu très, 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 très gros. Donc là, on verra ce qui se passe. Ou alors, il restera chez Ineos et ils feront 1-2-3 sur le podium. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que la frouminette, moi je pensais qu'il était. Aïe, à son âge, il était. Ah, je dis qu'il est, je sais pas qu'il est mort, mais bon. Ce mec, il est. C'est un extraterrestre quand même. On peut dire ce qu'on veut. C'est quand même le mec, c'est quand même un extraterrestre. C'est. Voilà, vu comment il roule et tout. Ouais, on verra ça. Allez, ensuite, je vais passer un petit coup sur la chaîne. Alors, juste, c'était un petit coup. Et après, je vais mettre du skirt. Tu connais ça? Capitaine Kirk. Non, c'est Capitaine Skirt. C'est en fait... Ouais, je sais qu'il y en a qui connaissent ce bruit. Là, tu tapes fort, là. C'est du skirt, tu vois, c'est une cire. Voilà, skirt. En fait, l'avantage, c'est que ça ne te huile pas ta chaîne. Si après, en bout de sortie, tu n'as pas le tatouage de la chaîne sur les cuisses. Donc, j'ai juste passé un coup de... Je vais mouiller mon torchon. Passé un coup sur la chaîne. Mais c'est vraiment... Voilà, ouais, c'est grossi, juste. Après, la chaîne, je la nettoie complètement avec ce qu'il faut. Mais là, je fais juste ça. C'est juste grossier. Manière juste d'enlever la merde parce que mais la chaîne quand même elle est assez propre grâce au skirt. C'est vrai que c'est oh garçon pour enlever le plus gros de la merde. Voilà, vous voyez, donc ça fait quoi, vous voyez, que dalle hein. Voilà. Et coup de skirt. Au moins, petite astuce. Alors, quand je fais mes chaînes, je cherche la tâche rapide pour savoir vraiment. Elle a disparu. Attends, elle est où? Elle est là. Allez, tac. Et après, je tourne. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, voilà. Alors pour savoir, pour bien vraiment doser ce qu'il faut avec du skirt, il faut vraiment que ton pédalier soit bien blanc. Alors, vous inquiétez pas, même les galets, tout doux, il faut que ce soit blanc. Donc, je vais en remettre une petite couche. Et après, normalement, il ne faut plus toucher. Enfin, il faut laisser sécher. Et mamie, et derrière, j'ai la vieille qui regarde. Tac, 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 tac. Oh putain, j'ai foutu sur la roue. Voilà. Allez, c'est bon. J'ai mamie Nova à côté, je sais pas, regarde. Eh, les vieux, c'est extraordinaire. Hein. Donc voilà, là, on va laisser sécher, tranquille. Bon, est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de ces roues de chez Basalt? Ouais, on en profite ou quoi? Écoutez, pendant donc... Enfin, quand on a été déconfiné, j'adore ça, ce mot déconfiné. J'ai fait une semaine avec les Campagnolo, les Borawan, et une semaine avec les Basalt pour vraiment, vraiment comparer les deux roues.
Donc, il y a du bon et il y a du moins bon. Alors, attention, quand je dis moins bon, je ne parle absolument pas du montage. D'accord? C'est juste, je dis moins bon, c'est pas, voilà, c'est pas le truc de fou, hein. Donc, déjà, donc, ces roues, donc, elles m'ont été prêtées par Basalt. Donc, roues carbone, disque, bien entendu, ligaturées. Donc, ligaturé, entendu, bien sûr. Et donc, les rayons d'été, c'est X-ray et moyeu de chez Basalt. Alors, le moyeu de chez Basalt, faut pas rêver, il y en a du ouais, ce sont des moyeux chinois, c'est de la merde, ce que j'ai entendu un peu droite à gauche. Franchement, ils ont pris les meilleurs moyeux, allez, comment je dire, génériques. Parce qu'il ne faut pas rêver, les gars, les garçons. Hein. Tout, quand vous voyez les DT suisses, quoi, c'est fabriqué là-bas. Hein, et après, c'est rebadgé. Mais moi, c'est vrai que je n'ai aucun souci avec les moyeux. J'ai dû faire à peu près avec ces roues-là. Bah, je vais être pas loin de 3000 bornes, à peu près. Okay? Après, voilà. Tu aimes ou tu n'aimes pas ce style de bruit. Il y en a quand même d'autres moins. Il y en a qui préfèrent des roues plus silencieuses. Putain, j'ai foutu. Ah ouais, mais j'en ai foutu partout du truc là. Oh putain! J'ai fait une giclée, tu dis. J'en ai mis partout. Je nettoie les roues, moi, et après je les appelle. Dis, tu crois, toi? Quel crétin! Lapin crétin! Donc, je dis ça, ouais, voilà. Et ensuite, donc, alors Basalt, il faut savoir où ils sont situés. Ils sont situés au un village au nord de Montpellier. Donc, Made in Sud, les enfants. Donc, Basaltoué, donc, rayon ligaturé. La tension des rayons. Alors, il m'a dit, mes souvenirs sont bons, 160 kilos ici, la moitié de l'autre côté. Alors, je peux vous dire, les gars, c'est hyper rigide déjà. Donc, quand tu vois, quand tu tends à 160 kilos et en plus ligaturé. T'as quand même une roue, pas l'avant, hein, mais une roue qui est quand même assez rigide. Alors c'est vrai que voilà, c'est la rigidité pour moi, enfin pour moi, hein, je trouve que c'est trop rigide en fait. C'est quand tu es dedans, avoir des roues vraiment, alors la ligature, tu la mets ou tu la mets pas, c'est pas un souci. Mais vraiment, pour ligaturer ça, voilà, il faut pouvoir étirer quand même derrière. Hein. Là, c'est vrai que sur fin de sortie. C'est vraiment sur fin de sortie. Là, je vois vraiment la différence entre les Campa, les Bora et cette roue ligaturée, du moins. Donc, voilà. Donc, je pense que prendre ces roues sans ligature, je pense que ce serait mieux. Ensuite, les Bora, ce sont un profil donc en 35. Là, c'est un profil de 30. Et c'est vrai que vraiment, dans le roulant, je sens quand même la différence. Je tendance un petit peu plus relancé avec ces roues-là qu'avec les bras. Mais là, c'est juste un problème de hauteur de roue. Donc, j'aimerais bien les essayer après, des roues comme ça, et bon, similaires. Mais en 38, par exemple, je pense que là, par contre, j'aurai vraiment le bon compromis de ce que moi, j'ai l'habitude d'avoir, quoi. Tu vois? Et après, écoutez, les amis, aucun souci au niveau. Donc boyau, bien entendu, parce que Basalt, lui, roue carbone, c'est boyau. Voilà. J'avais fait différentes vidéos sur voilà pourquoi les roues carbone au niveau du pneu, ça diffère au niveau des tensions des rayons. Voilà, c'est un peu. Donc pour eux, chez Basalt, roue carbone, c'est du boyau, c'est direct. Et franchement, moi, le boyau, bah écoutez, les gars, c'est pas mal, quoi, les boyaux. Ah ouais, je vous dis, j'ai pris une précédente vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus. Eh bien, c'est pas mal. Je pense que mes prochaines roues seront à boyau, quoi. Si je dois en prendre une, elles seront à boyau. C'est côté confort, rendement. Là, je pense qu'elles sont fait un peu. Que j'avais dit que justement, entre le confort, entre donc, les pneus, dont j'ai les GP5000, oh ta gueule, vas-y. GP5000 et celle-là, je trouvais que quand même, côté confort, c'était bof. Je pense qu'en fait, le boyau, c'est vraiment ramolli un petit peu. Et là, j'ai mis les mêmes pressions. Et c'est vrai que là. J'ai un peu plus de confort. En effet, j'ai un petit peu plus de confort.
Donc voilà. Donc après côté tarot, côté tarif, après vous pourrez leur envoyer un mail leur demandant, voilà, ils ont plein de profils de roue au niveau du carbone, tu vois, ils ont du mat, ils ont ce que tu veux. Ce que tu veux, ils sont à l'écoute. Hein. Côté montage, alors côté montage, c'est franchement le mec il est hyper pointu. Moi j'adore ça. Hein. Le mec il est hyper pointu quoi. Ne vous inquiétez pas si la caméra elle bouge, je sais qu'il y a un vent de taré à décorner les cocus. Ouais, donc côté voilà, le mec il est hyper pointu, c'est un truc de dingue. Ah, j'ai été vraiment étonné, il m'a appris des trucs que je savais même pas sur une roue, les enfants, sur une roue. Quand même, une roue, c'est pas non plus la mer à boire. Et quand tu parles avec lui, ben, la musique elle est pas la même, tu vois, c'est vraiment hyper pointu. Et ça, donc, je disais, donc, le tarif de ces roues-là, donc carbone, bien entendu, profil de 30, ligaturé, là, tu sors à peu près à un tarif de 1200 euros, à peu près. Voilà. Fourchette, hein, mais entre 1000, allez, ouais, 1200, allez, on fait 1200, on peut la prendre en deux, mais je crois que c'est juste à peine, je crois que c'était 1220, il m'avait dit. Mais on va arrondir 1200. Donc, pour 1200 euros, tu as quand même des roues de high-tech, vraiment ce que tu veux. Tu prends par exemple les Bora, après je vais vous montrer quelque chose que ne font pas les autres, que tu peux pas trouver, et ce sont les seuls à le faire. C'est vrai qu'au niveau des tensions des rayons, ah, tu vois quand même vraiment une grosse différence, quoi. C'est, voilà, les Bora, je serais bien curieux de savoir combien ils sont tendus par rapport à celles-là. Il y a plus celles-là sont, voilà, plus la ligature, c'est dur. Donc je disais, il y a une chose que ce sont les seuls à faire. C'est ça. Ah, ça tourne. Hein. Tu remarques rien? Tu remarques pas que t'as pas le ballon comme ça? Eh ouais, garçon. Elles sont équilibrées. Les roues sont équilibrées pour éviter justement d'avoir ce petit rebond à haute vitesse. Et c'est vrai que sur les campas, quand je vais vraiment vite, je le cherche et c'est que je l'ai un petit peu le tac 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 le rebond. Tandis que là, tu descends, t'as vraiment pas de. C'est vraiment. C'est net. C'est précis. Donc voilà. Donc voilà mon expérience sur les roues basaltes. Franchement, je suis très 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 très, très étonné, quoi. D'ailleurs, moi, sur mes roues VTT, j'avais fait aussi un montage à la carte. Donc pour ceux qui font du VTT aussi, j'avais des roues, c'était quoi mes roues? Je crois que c'était des roues Notube, pareil avec les rayons, je crois que c'était les mêmes que ceux-là, avec des moyeux hop. Voilà, c'est vrai que c'était un autre monde que les Mavic par exemple, tu vois, voilà, c'était le top. Chez Basalt aussi, petite parenthèse, ils font aussi des rayons de couleur, toute la couleur que tu veux. Si tu veux un rayon bleu, blanc, rouge chaque fois, ils peuvent te faire un rayon bleu, blanc, rouge. Tu vois ce que tu veux. Et en plus, amis, voilà, c'est cocorico. Après, je sais que les délais de livraison, bah, sont un peu longs. C'est un peu long. Pourquoi? Parce qu'il a une très grosse demande, quoi, le type. En plus, avec des confinements au niveau du transporteur, ça a été la merde. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, t'as pas besoin pour demain, c'est pas un souci. Mais après, je vous dis, les gars, rapport qualité-prix, bah, tu peux pas. Si vraiment tu veux la qualité, tu peux pas. Après, il y en a d'autres, hein, mais tu peux pas trouver mieux, quoi. Dans les monteurs de roues. Donc, pour moi, c'était Basalt. Après, tu en as d'autres. Tu en as Macadam, tu en as plein d'autres. Mais pour moi, voilà, ben, moi, c'est un peu logique. Hein. Le mec est à Montpellier, tu vois, et à côté de chez moi. C'est un peu normal que je fasse travailler un mec ici, non? Sans déconner. Il y a le vélo du Nord et les roues du Sud. Le combo parfait, tu vois, là. Voilà. Seul petit reproche, voilà, c'est que la ligature, pour moi, c'est. Si ça vous gêne pas, mais. Voilà, mais c'est vrai que ce matin, ça m'a fait mal un peu, hein, la roue, je sens que derrière. Par contre, quand tu veux mettre une patate, là, ça envoie, ça répond direct. Hein. C'est quand tu as les cannes, là, ça part direct. Hein. C'est vrai que. Mais je vais continuer à rouler avec, hein. Je lâche pas l'affaire, je lâche pas l'affaire. Ok, les copeaux, les poteaux, pardon. Donc, fais cette petite vidéo donc, au sujet des roues de chez Basalt. On a un peu parlé de tout et de rien. Et là, je vais vous donner un petit secret. Eh ouais. Il y en a qui m'ont demandé avec quoi tu nettoies tes chaussures. Alors,
C'est-à-dire, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Avec quoi je nettoie mes chaussures? Et c'est vrai que il y en a plein dans mon club, ils me disent, mais comment tu fais pour avoir des chaussures aussi propres que ça, aussi brillantes que ça? Et quand il pleut, des fois, bon, c'est très rare quand il pleut, parce que moi, je ne suis pas étanche, hein, ça te fait des gouttelettes. Hein. Donc, je vais vous montrer comment, enfin, avec quoi je nettoie ma paire de chaussures. Donc, je vais m'installer quand même un peu. Fauteuil obligé, l'ami. Donc, chaussures. Oh là là. Ah. Tu vois, donc, tu peux le voir. Tu prends un chiffon. Chiffon doux. Tu vois, elles sont sales, tu vois. Bon, bref, c'est pas un peu crade. Tu vois, sur les côtés. Bon, bref. Pareil pour l'autre. Un peu sale, tu vois. C'est terne, c'est crade, quoi. L'autre qui te crache, qui te souffle dessus, là, c'est pourri. Et donc, je nettoie mes pompes. Alors, je viens surprendre une pionnette, tu vas faire ouah avec ça. Et ouais, gros, avec du WD-40. Tu vas dire, oh, le type, il est fou. N'importe quoi. Les gars, ce sont des pompes à 300 balles. Est-ce que tu crois que je m'amuserais, si c'était pas bien, à foutre du WD-40 sur mes pompes? Et j'ai d'autres pompes, pareil. Mes pompes de VTT aussi, si c'était à 300 balles, je nettoyais pareil. Et ouais, les amis, je nettoie mes chaussures avec ça. Alors, je ne pulvérise pas comme un enculé, comme on dit chez nous. Donc, tout simplement, tu prends, tu en mets sur le chiffon. Tac, je trouve ça un peu humide. Tac. Et, tout simplement, ne t'emmerde pas, tu passes un coup. Voilà, ça enlève bien la merde. Des fois, quand tu as des bruits de quick-quick, que tu ne sais pas d'où ça vient, c'est souvent... Enfin, souvent. Ça en fait que c'est la languette qui frotte à ta chaussure et que ça fait du bruit. Donc, il faut passer un petit coup dedans. Voilà. Et en plus, ça enlève tout ce qui est humidité. Bon, les 40. Hein. Et tu te retrouves avec... Regarde-moi ça, c'est pas beau. Et on se coifferait dedans. Tu vois? Tu laisses sécher. Je fais l'autre. Je repasse un coup. Tac, tac, je vous ai tué là. Mais je sais, je te fascine. Je vous fascine, ben oui, gros. Tu vois, et ça fait depuis le début que je les ai, que je fais tout le temps, enfin, je fais toutes mes pompes avec le WD-40. C'est, il y a moins quand il pleut, ça te rend un petit peu, l'eau coule dessus. Donc, bien sûr, bien entendu, sur des chaussures principalement en cuir, hein, c'est pas ça du tissu, hein, c'est bien compris. Moi, j'ai pratiqué le tissu, même pas, c'est des grilles que j'ai, après tout le reste. Hein. Ok. Donc voilà, tu vois, les pompes toutes brillantes. Terminato. Tu vois, ça brille. Et tranquille. Et voilà, à fini la journée. Ouais, bah dis donc, je dirais que demain il pleut. Tu le crois, toi? Enfin, bref. Bon, les amis, écoute, si t'as aimé cette vidéo, petit like, petit pouce, hein, pense à la petite sonnette si t'as envie de voir mes prochaines conneries, mes prochaines aventures. Mais surtout, n'oublie pas, en plus, c'est bien ce que ça te. Tu vois, le WD-40, voilà, ça t'hydrate les mains, tu vois. Puis, c'est cette odeur-là. Enfin voilà. Mais surtout n'oublie pas poto, que le cul te pèle. Allez bisous, ciao. Peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.